L'heure est venue. L'heure est proche. Le jugement est proche. Le compte de l'homme est proche. Tout le monde est responsable de ses propres actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment puis-je tranquille ?» Et le propriétaire de la trompe, le gardien de la trompe, l'a élevé jusqu'à sa bouche, attendant attentivement le signal de son Seigneur. Quand la trompe sonnera, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre sera détruit. Car le trémor, le bruit, la vibration, le tremblement de terre de cette heure-là est une chose immense. La création change, les montagnes volent, la terre est détruite, les bâtiments s'écroulent, tout ce que vous connaissez est en ruine. La plus catastrophique des catastrophes dans l'existence de la création, et c'est le premier coup. On l'appelle le coup de la destruction. Allah demandera « Qui reste ?» Mais personne ne répondra. « Qui reste-t-il ? » Mais personne ne répondra. Il n'y a plus rien. Allah Azza wa Jal saisit la terre et fait défiler les cieux dans sa droite et le secoue et dit « Je suis le roi. Où sont les arrogants ? Où sont les orgueilleux ? Où sont les hautains ? Je suis le roi. Où sont les rois de ce monde ? À qui appartient la domination aujourd'hui ? Qui est le propriétaire des cieux et de la terre aujourd'hui ? À Allah, le Seigneur de l'honneur et de la grandeur. Il n'y a rien d'autre qu'Allah. Il n'y a rien d'autre qu'Allah. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme cela que ça va finir. Rien de vivant sauf Subhanahu wa ta'ala. Et puis après une période de 40 ans, Allah fera descendre une eau du ciel, grâce à laquelle les gens pousseront comme poussent les légumes. Tout le corps de l'homme disparaîtra, à l'exception d'un seul os, à savoir le coccyx. C'est à partir de cet os que les hommes seront ressuscités le jour de la résurrection. Il ressuscitera ainsi Israfil, donc le souffleur de la trompe, sera ressuscité. Il s'élève et ensuite il dira « Souffle encore !» et il soufflera encore. Ils seront debout et regarderont quand la terre se met à trembler et sort le lourd fardeau qu'elle portait, comme le corps des milliards de personnes qui sont venues et parties. Ils seront ressuscités. La terre est une terre différente. Le sol est blanc. Comment sont-ils ressuscités ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pieds nus, nus, non circoncis. » Donc Aïcha radiyallahu anha a dit « Ya Rasulallah, sommes-nous nus ? Les hommes seront nus. Ne se regarderont-ils pas les uns et les autres ? » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya Aïcha, la situation est beaucoup plus importante pour que les gens se regardent les uns et les autres. Et quand ils sortent de leur tombe, il y aura l'obscurité. » Et vous verrez certaines personnes entourées de lumière. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Votre lumière dépendra de la quantité d'actes que vous avez accomplis. Certaines personnes viendront avec des lumières énormes. La lumière de certaines personnes sera suffisante, juste pour elles-mêmes. Et certaines personnes seront-elles une bougie qui s'allume et s'éteint. Comme certaines personnes seront ressuscitées et ne peuvent pas se lever. Ceux qui mangent l'argent de l'usure, l'argent de la riba, ils ne pourront pas se tenir debout. » Puis vous verrez une autre personne poussée par des enfants. Il a mangé leur argent, leur richesse. Ils étaient orphelins. Il leur a fait du tort. Et c'est leur situation au jour du jugement. Le soleil arrive à 1 kilomètre de la tête des hommes. Et il commence à transpirer. Alors certains se tiennent dans des flaques de sueur jusqu'aux chevilles. Certains jusqu'aux genoux. D'autres jusqu'à la taille. D'autres encore jusqu'aux épaules. Certaines personnes seront noyées dedans. En fonction du mal qu'ils auront fait. L'humanité panique. Et la peur est immense, et la chaleur est insupportable, et la sueur recouvre les gens. Ils diront « Oh les gens, vous voyez votre situation ? Vous connaissez notre calamité. Vous savez ce qui nous est arrivé. Allons trouver quelqu'un pour intercéder en notre faveur. » Ils se dirigeront vers Adam. Adam répondra « Nefsi, Nefsi, j'ai mangé de l'arbre interdit et j'ai désobéi. Allez donc voir Nuh. » Jamais Allah n'a été autant en colère qu'aujourd'hui. Je ne peux rien lui demander. L'humanité tout entière se dirigera alors vers Nuh pour qu'il intercède auprès d'Allah et lui demande de commencer le jugement. Oh Nuh, toi qui as été sauvé par Allah, intercède auprès d'Allah pour qu'il commence le jugement. Nuh répondra, Nefsi, Nefsi, j'ai déjà demandé à Dieu ce dont je n'avais pas à l'interroger et il m'en a blâmé. Et je n'espère qu'une chose, c'est qu'il me pardonne. Allez voir donc Ibrahim. L'humanité se dirigera alors vers Ibrahim alayhi salam. Ibrahim répondra, Nefsi, Nefsi, j'ai menti 3 fois. Allez voir Moussa.
Moussa dira « Nafsi, Nafsi, j'ai tué un homme, allez voir donc Isa. » Isa alayhi salam répondra « Nafsi, Nafsi, allez voir Muhammad, un serviteur auquel Allah a pardonné tous les péchés. » Puis l'humanité se dirigera vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui répondra « Ana laha, ana laha, elle est pour moi l'intercession. » Il a dit ensuite à propos de cela « Et je me mettrai dans un endroit pour lequel on m'enviera. » Et je me prosternerai sous le trône, et je louerai Allah par des louanges avec lesquelles jamais personne ne l'avait loué. Il me répondra, « Lève-toi, Muhammad, parle, on t'écoutera. Intercède, tu seras exaucé. Demande, et tu obtiendras. » Et je dirai, « Tu m'as promis l'intercession. Alors permets-moi d'intercéder pour tes créatures, pour que le jugement commence. » Alors Allah dit, « Je viendrai, et commencera le décompte. » Le jour où les anges commenceront à se déverser, alors les anges descendront des cieux rangée après rangée, formation après formation, groupe après groupe sur cette terre plate, une création si grande, si immense, que l'humanité sera hypnotisée par eux, et ils diront « Est-ce que c'est notre Seigneur ?» Alors les anges diront « Non, non, il viendra d'une manière digne de sa majesté. » À ce moment, la partie la plus dure du jour du jugement vient, la venue du feu de l'enfer, qui est retenu par 70 000 chaînes. Chaque chaîne est tenue par 70 000 anges. Il n'y a pas de scène plus terrifiante le jour du jugement que cette scène. Et quand le feu de l'enfer arrivera, toutes les créations d'Allah tomberont à genoux. Tout ce qu'ils se diront, c'est « Oh Allah, protège-nous !» Et l'humanité se dirigera vers la terre où ils se tiendront devant Allah subhanahu wa ta'ala et seront rendus responsables de leurs actes. Leur livre commencera alors à apparaître et leurs livres leur seront donnés. Ils seront alignés sur une ligne. Il n'y a pas un mot qui est prononcé. La première parole dans le jour du jugement est celle d'Allah Azza wa Jal à notre père Adam et il dira « Ya Adam, sépare la partie de l'enfer de tes enfants. » Alors il dira « Et quelle est la proportion de l'enfer ?» Alors Allah dira « De chaque 1000, 999 pour le feu. » La balance sera mise en place. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera la première Ummah à être jugée. Ce qui se passera, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mènera au trône et toute la création d'Allah. Ils regarderont et ils diront « Qui sont ces gens ?» Et vous marcherez la tête levée et le jugement commencera.